semyo nou kontinye virib nou padan nap preparen pou nou kapab sou pasyon ak rezureksyon Kris la. Gen tro bagay ki make la vi Jezikri, se nesans li, minister avèk pasyon li. E nan l'evanjil la jodi a, pwen ki make nou se pasyon li. Qui fait nous voir la mort après résurrection Christ là. Les Nabgadé, première lecture, on nous montre comment les méchants complotent la mort du juste. Appliqué à la passion du Christ comme le fait la liturgie d'aujourd'hui, ce passage écrit un siècle auparavant prend un relief saisissant. Il décrit non seulement la mort d'un juste, mais celle d'un fils de Dieu, qui était aussi le Seigneur, qui ne voit l'extraordinaire plénitude de sens dont ces expressions se changent lorsqu'on pense à Jésus en croix. Depuis la première lecture, on commence à montrer qui type de l'amour, qui type de raillement Jésus-Christ lui-même l'a déjà gagné. Et l'évangile là lui-même, Saint Jean, c'est l'évangile le plus contemplatif. Mais c'est aussi celui qui a noté le conflit qui grandit et qui conduira Jésus à une mort de type dramatique. Le carême approche peu à peu de sa fin. Nous essayons de le vivre avec Jésus. Comment a-t-il vécu ces dernières semaines? Traqué, haï, détesté, recherché par la police. Eh bien, c'est comme ça. Jésus-Christ est à vivre les dernières semaines. Nous connaissons l'été persécuté en pile, il a cherché pour le tuer, même puisque il y a pas de quoi arriver. Il n'y a pas de quoi capable de faire ça ou de le faire avec l'IA. Jésus mourra entouré de visages haineux, car plus Jésus affirme clairement l'origine divine de sa mission, plus il suscite la hargne de ses ennemis. Et c'est pourquoi François d'Assise se promenait dans les rues en guignard. L'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé. De cet amour qu'il parlait, c'est le Christ, c'est Jésus, lui-même qui s'est remis. Même Jean, dans la première lettre, Jean, il dit non, Dieu est amour. Donc, même bon Dieu, ça qui s'est remis, lui invite nous, frère Maxime, pour nous quitter, remis bon Dieu à habiter dans le cœur. Lui vient bailler la ville pour nous. On nous pratiquer même l'amour, ça, même patience, comme la dit, gagné. On nous mette dans la vie, nous, pendant que nous vivons ensemble avec frères et sœurs, nous faisons ça qui est bien. Pendant que nous ne pouvons pas chercher des tuyaux, pendant que nous ne pas chercher préméditer l'amour. Le pape François a écrit la joie de l'évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui se trouvent avec Jésus. Donc, l'évangile de la frère Maxime, à chaque fois que nous venons écouter la parole de Dieu, non seulement les supposés ben nos forces, mais les supposés font nous changer de comportement, changer façon de vivre. Et c'est ça que tant carême nous a invité à faire, pour nous convertir, pour nous faire pénitence, pour nous changer mon notéia, pour nous changer pour venir en l'autre monde. Donc, il est urgent que nous aidions chacun à aller au-delà des suppositions et des préjugés sur qui c'est Jésus et ce qui est l'Église, et à la fois faciliter la rencontre avec Jésus. Parce que depuis nos fins rencontrer avec Jésus, même Jean Chantier a dit là, nous venons sentir nous en l'autre monde. Nous pas même monde encore. À travers l'évangile là, on a cherché rencontrer avec Jésus dans parole qui est capable d'adresser avec nous
chaque parole yo li capable gagne un impact sur la vie nous. Et bien comme ça nous capable rencontrer avec Jésus. Donc quand une personne arrive à savoir qui est réellement Jésus, alors la joie et la paix abondent non seulement dans son cœur, mais dans le cœur de tout un chacun de nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.